Bienvenue dans un nouvel épisode du Squeak Show by Tony Parker. Alors, il y a beaucoup d'actualités en ce moment et je rigole déjà parce que je pense que mon co-host, il va pas être content. On va aborder une question brûlante. Jason Kidd, il a dit quelque chose là. Ouh, je crois qu'il est chaud. Je le sens un peu tendu là. Quelle honte. C'est une honte. Ça va? Ça va. Moi, ça va. Je suis pas trop tendu. Ça va. Je peux dire ce qu'il veut, Jason Kidd. Regardez, il est tendu là déjà. Il attend la question. J'avais beaucoup respect pour Jason Kidd là. Il va me choper à la gorge. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jason Kidd et Jalen NBA qui a joué avec ton sacro-saint Dirk Nowitzki. Luka est meilleur que Dirk. Donc il parlait évidemment de Doncic. Il évolue au même niveau que Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. On est d'accord avec Tony, LeBron et Kobe. Apprécier ce que ce jeune homme fait à l'âge de 24 ans, c'est quelque chose que Dallas n'a jamais vu. Il fait des choses que Dirk n'a jamais pu faire et a maintenant l'opportunité de s'entourer des bonnes personnes pour finalement gagner un titre. Alors, est-ce qu'il est complètement tombé sur la tête de Jason Kidd ou est-ce qu'il a raison? C'est parti, monsieur. Je te laisse ouvrir le bal. Il est fou. C'est ton gars. Il est fou, Jason Kidd. Il est fou. Il a oublié que quand il se lève le matin, qu'il a sa bagouze au doigt de champion, c'est 2011 grâce à Dirk. Il a oublié ce que Dirk a fait dans la Ligue, la révolution du poste 4. Il a tout oublié. Alors qu'il soit pro-Luka, qui a un peu de lobbying, on connaît en NBA le lobbying pour éventuellement être le MVP de la saison régulière. À la rigueur, je ne l'en veux pas, Jason Kidd. Mais dire qu'il est meilleur que Dirk, déjà, il n'a rien fait. Luka, il a fait une finale de conf avec les Mavs. Sportivement, il y a quand même un vrai delta par rapport à Dirk. Et mettre Michael Jordan et Luka Doncic dans la même phrase. Moi, c'est là où il m'a perdu. Soit il a fait une after party solide à Dallas. Mais c'est pas possible. Ah, on est d'accord. Jordan et Luka. On rappelle qu'objectivement, Stephen, voilà, c'est ça, tu as le numéro 41 de tatoué sur la fesse gauche et le drapeau allemand sur la fesse droite aussi. Dans le côté objectif. Et un petit drapeau slovène aussi, parce que j'aime beaucoup Luka. Mais là, c'est ça qu'il faut préciser aussi pour les gens qui nous écoutent. Stephen, il aime bien Luka aussi. C'est ça qu'il faut bien préciser. Il adore Luka, donc c'est pas contre Luka. Moi, le problème que j'ai avec des trucs comme ça, et j'ai énormément de respect pour Jason Kidd. Énormément de respect. Un des meilleurs meneurs de la NBA. Un des meilleurs cerveau que t'as français, quoi. un des meilleurs cerveaux de la NBA. Franchement, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais c'est marrant comment les gens, ils oublient vite, en fait. Dès que t'as pris ta retraite, on se concentre sur les joueurs qui y jouent actuellement. Et c'est vrai que les stats sont incroyables. Mais parce que la NBA a voulu ça. La NBA a voulu changer un peu les règles. Tu peux plus défendre, on en reparlait encore avec Dwayne Wade cet été. Enfin, tu peux plus défendre en NBA. C'est dur de défendre à cause des nouvelles règles. Et donc, ça facilite de marquer beaucoup plus de points. Il y a beaucoup plus de possessions. Les joueurs, OK, tu peux dire peut-être qu'ils sont meilleurs parce qu'ils shootent de plus loin. Mais si nous, on s'entraînait à shooter à 3 points tous les jours, alors je ne vais pas commencer à faire les comparaisons, mais c'est le basket de maintenant. Donc, c'est dur de comparer les stats. Alors, 73 points, OK. Ah, ça, c'est énorme. Franchement, le pourcentage surtout. Voilà. Franchement, 73 points, que ce soit les règles d'avant, les règles de maintenant, 73 points, c'est costaud et il faut les mettre. Mais après, de comparer Luka à Dirk, pour moi, Luka, tant qu'il n'a pas gagné un titre, vient pas me parler de comparaison, tout ça. C'est tellement dur de gagner un titre. Les gens, ils réalisent pas, c'est dur de gagner un titre en NBA. Et quand, tu sais, je voyais un peu les commentaires, est-ce que LeBron James et Stephen Curry vont plus gagner un titre? C'est possible. Tu sais, ils sont à 4 et c'est possible. Ah, bien sûr, parce c'est que possible. C'est dur. La NBA, c'est quand même un sport de jeunes quand même. Ça va vite, il y a beaucoup de matchs et c'est dur là, pour les anciens de suivre. Parce que tu vois le classement de Golden State, tu vois le classement des Lakers, ils ont du mal à rester en haut du classement. Et donc, moi, pour les comparaisons, pour revenir sur ça, Dirk, pour moi, je l'ai déjà dit cet été, c'est ce que je disais cet été tout le temps, c'est le meilleur joueur européen de l'histoire. Parce qu'il a révolutionné le poste 4, il a fait plein de trucs, il ne faut pas oublier. Et il a amené le premier titre à l'histoire des Mavericks. Donc pour moi, Luka, est-ce qu'il est incroyable? Oui. Est-ce que c'est un joueur incroyable? Oui. Mais est-ce qu'il est au niveau de Dirk? Moi, pour moi, tant qu'il n'a pas gagné un titre, pour moi, il n'est pas dans la discussion. Ouais, après, si tu transfères ça au basket FIBA, alors Dirk, il a été champion d'Europe.
Lucas a été champion d'Europe, mais pas dans le rôle où il est maintenant avec la Slovénie, parce qu'à l'époque, c'était Goran Dragic, le go-to guy avec la Slovénie. Ouais. On attend de le voir emmener la Slovénie très haut. Alors, en basket FIBA, il fait des trucs. Moi, je l'ai vu mettre 47 points contre la France. 47 points dans le jeu FIBA, c'est très dur. C'est costaud. Très, très dur. C'est même plus dur que j'ai envie de te dire que 73 maintenant en NBA. 47 points dans le jeu FIBA, c'est monstrueux. Mais dans les compétitions FIBA, Lucas, à la fin, il est cramoisi parce qu'il joue toutes les possessions, il joue tous les ballons. Et justement, dans ce sens-là, est-ce que c'est pas un joueur plus complet, qui fait plus de choses que Dirk? Mais c'est pour ça qu'il faudra attendre la fin de la carrière. Tu sais, parce que s'il ramène un titre à Dallas, on aura une autre discussion. Mais moi, je parle maintenant. Non, tu peux pas dire ça. Et après, moi, là où il m'a perdu, c'est quand il a commencé à mettre dans la même discussion que Jordan et Kobe. Déjà, Luca, sa défense, déjà, parce que là, quand tu parles de Jordan, donc il faut voir tout. Et défensivement, Luca, il a des années-lumière de Jordan. C'est pas comme avec Dirk, la défense, Luca. Oui, voilà, exactement. Luca et Dirk, ils ont le même niveau défensif. Donc pour moi, j'étais surpris que Jason Kidd, alors que Jason Kidd, c'était un très bon défenseur, il a été élu dans les All Defensive Team, que Jason Kidd mettre Luca dans la même discussion que Jordan et Kobe et LeBron James, j'étais grave étonné. Il a craqué, Jason. C'est pour ça que j'étais étonné. Mais après, comme tu as dit, il le pousse pour essayer d'être MVP. Embiid, en plus, il vient de se blesser. Donc, là, il y a des joueurs qui vont peut-être essayer de prendre le lead pour essayer d'être MVP. Même si Joe Kitch, quand même, ça va être dur de ne pas lui donner son troisième. Après, j'aime bien Shai, moi. Shai, c'est fort. Shai, c'est très fort. OKC, OKC, ils arrivent à avoir le deuxième meilleur bilan de la NBA. C'est parce que Shai, il a pas de deuxième star dans son équipe. On parle de Jason Kidd qui flatte Luka Doncic. Pop, il a jamais été comme ça. Mais Pop, il dit jamais rien. Fait de lobbying pour ses joueurs pour aller All-Star. Il a jamais été. Pop, il a jamais fait de lobbying. Même quand Tim, il a eu ses deux titres MVP, il a jamais fait de lobbying. Lui, sa philosophie, c'est de toute façon les gens qui connaissent le basket, ils savent. Les vrais savent. C'était sa philosophie. Tu faisais un super bon match. Yes, he had a good game. Voilà, terminé. C'était pas ça. Jamais il a pas d'euphorie. Il a porté l'équipe ce soir. Il parle pas comme ça, Pop. Autre thème Pop, que je voulais. Pour Pop, c'est normal. C'est normal, oui. Tu fais partie, t'es payé pour ça. Exactement. Il n'y avait pas un Pop devant média et un Pop en privé avec vous? Non. C'était toujours le même? Ouais, toujours le même. La même personne. Ah ouais, grave, toujours le même. Je voulais aborder un autre thème avec vous, c'était l'avenir des Warriors. Bon, on a quand même l'impression qu'on arrive à un essoufflement, en tout cas à la fin d'une ère. Est-ce qu'il faut tout faire exploser cet été? Est-ce qu'il faut peut-être se séparer de Curry pendant qu'il est encore bankable ou pas? Comment vous voyez l'avenir de Golden State? Alors moi, pour moi, personnellement, comment j'ai vu, comment les Spurs, ils nous ont gérés et comment on est allé jusqu'au bout, jusqu'à 36, 37, et Tim et Manu, ils ont pris leur retraite. Moi, techniquement, j'aurais pu aussi prendre ma retraite avec les Spurs. Ils nous ont gardés et ils ont réussi à renouveler pendant qu'on vieillissait. Et je me dis que Golden State, peut-être, ils peuvent avoir l'opportunité de faire ça parce que Steph Curry, Clay, ils peuvent bien vieillir comme c'est des bons shooters. Si tu mets les bons joueurs autour et tu arrives à avoir un Kawhi Leonard ou un LaMarcus Aldridge comme nous, on a pu faire avec les Spurs, moi, je trouve qu'ils méritent, en tout cas, d'aller jusqu'au bout et de prendre leur retraite avec les Warriors. Après, tu as le côté business et si tu regardes les Patriots, ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est de séparer des joueurs un ou deux ans, parce qu'ils sont encore bankable, comme tu viens de le dire. Après, ça, je ne sais pas c'est quoi la philosophie et la mentalité du propriétaire des Warriors. Est-ce qu'il veut garder ses joueurs jusqu'à la fin et il construit avec des jeunes et il essaie de se renouveler en même temps? Après, je ne sais pas. Il y a urgence pour les Warriors, en tout cas, parce que Steph Curry est encore à un niveau exceptionnel. Est-ce que tu veux faire en sorte qu'il ait une nouvelle bague de champion? Tipeee disait, LeBron, Curry, on se demande s'il va être champion. Il ne reste plus beaucoup de temps pour Curry. Et finalement, il n'y a que ça qui compte. Oui, il n'y a que ça qui compte. Maintenant, est-ce que ce qu'ont fait Curry, Thompson et Draymond Green est tellement au-delà du sportif et qu'ils diront on ira au bout avec cette équipe-là parce que c'était une des dernières dynasties, mine de rien, de la NBA? Est-ce que pour service rendu à la nation, ils vont mourir avec nous? Ou est-ce qu'il faut faire des choix sportifs? Moi, je pense qu'il y a des choix sportifs à faire. Clay, depuis qu'il s'est pété le genou, le tendon d'Achille, c'est plus le défenseur d'élite qu'il était. Il est très souvent irrégulier sur les prestations. Alors, il peut encore faire des matchs à 30-35 ans, mais il en fait aussi des moins bons. J'ai le point d'interrogation de Draymond Green. Est-ce qu'il est encore valuable pour cette équipe? Je ne sais pas. Est-ce que la balance négative-positive
qui était en faveur du positif avant avec Draymond Green, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'inverser et qui leur coupe plus de mal que de bien? D'ailleurs, c'est un vrai débat que je voulais avoir avec toi. Est-ce que Draymond Green, il est dans une, c'est toujours le fantasme, dans une autre équipe, puisqu'il aurait été Draymond Green All-Star? Moi, j'ai toujours dit que comme Steph Curry est aussi Clay à l'époque, quand il t'a fait tous les matchs, tu t'es tellement obligé de faire des prises à deux sur Steph Curry qu'à chaque fois, j'ai l'impression que Dre, il jouait 4 contre 5, en fait. Et à chaque fois, il a le boulevard parce que t'es obligé de tellement d'amener de l'attention sur Steph qu'il a beaucoup profité de ça, quoi. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il aurait eu la même carrière s'il était dans une autre équipe, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu, porter une équipe et tourner à 20 points de moyenne et de ça. Ce n'est pas le genre de joueur. Non, c'est un bon passeur, c'est un bon défenseur. Mais c'est un bon passeur, mais... Parce qu'il y a Steph. Mais parce qu'il y a Steph, donc à un moment donné, quand tu joues à l'entraînement et tu fais 3 contre 2, on est tous des bons passeurs quand on est 3 contre 2, et il n'y a que 2 défenseurs, tu trouves toujours le gars qui est ouvert. C'est vrai. En fait, j'exagère peut-être un peu, mais je dis juste que j'ai l'impression que Draymond, c'était toujours 3 contre 2, en fait, tu vois. Tu vas trouver le gars ouvert. Il n'y a que 2 défenseurs, il n'y a que des shooters, surtout quand il y avait Kevin Durant, Clay. C'était dur à défendre, cette équipe-là. Donc c'est pour ça, moi, il était en one-on-one, il va pas créer son tir, il va pas... Et donc c'est pour ça que moi, je pense pas qu'il aurait eu la même carrière, je pense pas. Mais je pense que ça a bougé avant la trade deadline des Warriors. Mais comment on se reconstruit? Tu penses? Je pense, ouais. Comment on se reconstruit sans... Il n'y a que le propriétaire qui sait à la fin de la journée ce qu'il veut faire, mais... Après, t'as des assets, Wiggins, c'est quand même bien coté encore Non, mais Wiggins, oui, mais là, on parlait de Dre et Clay. Oui. Moi, je ne pense pas qu'ils vont y transférer Draymond et Clay. Steph Curry, je suis sûr et certain, il ne bougera pas des Warriors. Il va terminer sa carrière à Golden State. Il finira à Golden State. Bien sûr. Mais on pensait que Damien allait finir à Portland aussi. Je sais pas, c'est le genre de joueur, j'ai l'impression, il va rester loyal, fidèle, il va vouloir faire comme Kobe. Je le vois pas, au Tim Duncan, je le vois pas partir pour aller gagner un autre titre. Curé avec un autre maillot. Ouais, ça ferait bizarre, c'est clair. Mais non, il faut, sportivement, là, s'il bouge pas, je suis même pas sûr qu'il fasse les play-in. C'est compliqué pour eux. Ils ont 4 matchs de retard sur Utah qui est 10e. Moi, je pense pas qu'ils vont les faire. Moi, je pense pas. Je pense pas. C'est chaud. Ouais, non, mais je sais. Je sais. Mais c'est la fin d'une dynastie. Hein. Donc, la fin d'une ère. Ouais, fin d'une ère. Comme quand tu vois les Lakers, les Celtics, Larry Bird, ça fait bizarre, mais à un moment donné, c'est très rare. Hein. J'arrive pas à trouver une autre franchise qui a réussi à faire comme les Spurs, où nous trois, on était toujours là, et on était à plus de 35 ans, et on a réussi à faire monter un jeune comme Kawhi. Mm. Et signer un gros free agent, la première fois de notre histoire qu'on signe un gros free agent, LaMarcus, ce qui nous a permis justement de rester encore, tu vois, bien en 2015, 2016, 2017, 2017, on était encore en finale de conférence contre Golden State, et on était tous à plus de 35 ans. Il faudrait qu'ils refassent ça, enfin, il faudrait que Golden State fasse ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu drafts quelqu'un dans les 15-16, parce que Golden State, peut-être il peut avoir un top 10, et que ça devienne un Kawhi Leonard. Ouais. C'est très, très, très dur à faire ça. C'est très dur. C'est très dur, parce que Kawhi, il était 15e choix de la draft, quand même. C'est dur à faire ça, quoi. Il était bon direct, Kawhi, quand il est arrivé? Non. Non. Mais non. Mais justement, il était protégé. Parce que comme il y avait nous, tu vois, on était encore... c'était encore le Big Three. Il a eu le temps, tu vois, de monter tranquillement, tu vois. Et après, dès sa 3e, 4e année, après, c'était très fort. Et puis après, 2015, 2016, après, c'était son équipe. Rookie timide? Ouais. Timide, mais tu voyais que le gars, il voulait progresser, il travaillait dur. Il a une très, très bonne éthique de travail. On parle souvent de records et de GOAT dans cette émission. Et je voulais savoir avec vous, Kevin Durant, où est-ce qu'on le place dans ce débat du GOAT, étant donné qu'il est très frustré. J'ai vu ses phrases. Vous avez vu aussi ça. Décidément, il y en a beaucoup qui parlent en ce moment. Voilà, il ne comprend pas pourquoi il ne fait même pas partie du débat. Du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps. Pourquoi Kevin Durant n'est pas dans ce débat? Est-ce qu'il n'est même pas dans votre top 3? Où est-ce que vous le situez déjà? Moi, je pense que les gens, ils l'oublient parce qu'ils ont du mal à lui donner du crédit pour les titres qu'il a gagnés avec Golden State. Et ils auraient voulu que Kevin Durant fasse comme Dirk Nowitzki, rester dans la même franchise à OKC et gagner un titre avec OKC. Ou peut-être quand il est parti à Brooklyn, essayer d'amener Brooklyn et gagner un titre. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à lui donner le même respect qu'un Michael Jordan ou Kobe Bryant ou LeBron James, parce qu'il n'a jamais pris une équipe et allé gagner un titre. Il est arrivé dans une équipe qui avait gagné 73 matchs l'année d'avant. Donc,
C'est... Mais tu comprends sa frustration de même pas faire partie des... Ah oui, moi je comprends sa frustration. Parce que ceux qui connaissent bien le basket, c'est un des plus gros talents de l'histoire de la NBA. Mais après, les gens, ils le voient pas comme ça. C'est vrai que moi, quand tu me demandes, on parle de GOAT, je parle jamais de Kevin Durant. Non. Je vais te parler de LeBron James, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant. Ouais, c'est les seuls que moi, je mets dans le GOAT conversation. Donc, il serait où, dans le top 10, peut-être, éventuellement? Mais non, mais moi, il est même pas dans mon top 10. C'est marrant que tu me demandes ça. J'ai fait un top 10 la dernière fois. Non, parce que, tu sais, après, il y a Duncan, il y a Magic Johnson. Il y a Larry Bird. Il y a Larry Bird, Will Chamberlain, Shaq. Il n'était pas dans mon top 10, moi. Ah non, non, s'il y a une table de 10, il faut faire une table à côté pour que KD puisse manger. Quoi, il est dans la table entre 10 et 20, quand même. Voilà, oui, entre 10 et 20. Mais il peut s'en prendre qu'à lui-même, en fait. Kevin Durant, Tipeee, il l'a dit. Il peut s'en prendre qu'à lui-même si les gens n'ont pas ce respect qu'il devrait avoir. Parce que, en termes de joueur, j'ai rarement vu un attaquant aussi fort dans la Ligue. Peut-être même le meilleur attaquant qui a existé dans la Ligue. 2m10, créer son tir comme ça. C'est quand même un mec qui est 3 fois champion olympique aussi. On l'a vu avec Team USA, porter Team USA à Tokyo. D'ailleurs, s'il tape les Français, s'il n'y a pas KD, je pense qu'on n'est pas loin d'être champion olympique. Je suis d'accord. Ou la France. Mais tant qu'il n'aura pas fait ce que Steph Curry a fait sans lui, il ne pourra pas être considéré comme le GOAT. Parce que Steph Curry, avant, il n'a jamais été MVP des finales. Rappelle-toi, c'était Iguodala qui avait été MVP des finales quand ils ont été champions. Après, KD arrive, ils sont champions 2 fois. C'est KD le MVP des finales. 2 fois de suite. KD part. Curry est champion et Curry est MVP des finales. Là, ça a mis Steph, ça a fait monter. C'est là où les gens, ils ont commencé à mettre Curry dans le top 10. Exactement. Et pourquoi les gens, ils voient Steph Curry dans le top 10? C'est parce qu'il a porté son équipe. Tout seul. Et c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à donner du respect à Kevin Durant. Je pense que pour que les gens te voient dans le top 10, il faut que tu sois le franchise player. Exactement. Et que tu as amené ton équipe. Et si tu remportes un titre en tant qu'unique leader de ton équipe, là, d'un seul coup, tu peux prétendre à être dans ce classement. Mais tu peux avoir d'autres All-Stars avec toi. Tu ne peux pas gagner tout seul. Tu peux avoir d'autres All-Stars. Mais que tu sois le principal, en fait. L'All-Star, c'est comme ça que je le vois. Oui, tu as raison. Après, il paye aussi cet effet girouette. KD, il a fait beaucoup d'équipes dans sa carrière. OKC, on se rappelle qu'à OKC, ils sont à un match d'aller en finale NBA. Il perd contre les Warriors. Et après, lui, il part aux Warriors. Ensuite, il va à Golden State. Ensuite, il va à Brooklyn, où là, le Big Three avec James Harden et Kyrie Irving, finalement, ça ne marche pas. Maintenant, il est à Phoenix, où il a un autre Big Three avec Bradley Beal et Devin Booker. Si là, ça ne marche pas, il va peut-être même perdre du crédit qu'en gagner, KD. Ouais. Parce que là, il a 35 ou 36 ans. Là aussi, il ne reste plus beaucoup de temps pour être champion NBA. Et si ça n'arrive pas avec les Suns, qu'est-ce qu'on va retenir à la carrière de KD? Attaquant hors normes, joueur exceptionnel. Mais il n'a jamais gagné par lui-même. Il n'a jamais amené sa franchise au titre NBA. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être considéré dans le truc dans du top 10. C'est impossible. Dans le top 10, c'est impossible. Donc la fidélité, la loyauté à un club en particulier, ça vraiment, ça te fait grimper Surtout si tu gagnes. Oui. Et parce que pour moi, le jour où LeBron James, les gens, ils ont changé de vision de LeBron James, ce n'est pas quand il a gagné avec Miami, c'est quand il a gagné avec Cleveland. Quand il a gagné avec Cleveland. Et cette finale était incroyable parce qu'ils perdaient 3-1, ils reviennent et ils gagnent le match 7 à Golden State avec le contre incroyable, tout ça. C'est là où les gens, ils ont vraiment mis LeBron à part et commencé à vraiment parler de « OK, là, il peut être dans la GOAT conversation ». C'était après ce titre-là. C'était pas après son titre contre nous en 2013. C'est quoi votre top 5? Toi, tu nous l'as dit tout à l'heure vite top fait, 5. Mais peut-être pas dans le bon ordre. Top 5, Jordan, LeBron James... Kareem Abdul-Jabbar, Kobe, et après je mets Magic Johnson, mais pour plein de différentes raisons. Hein, parce que beaucoup de gens ils parlent de Jordan à sauver la NBA, mais pour moi, ceux qui ont sauvé la NBA, c'est Magic et Bird. À l'époque où les matchs ils passaient en replay, il n'y avait aucun match en live, c'était en enregistré. C'était, la NBA, c'était chaud. Quoi. Il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de problèmes de drogue, c'était au plus bas. Et je trouve que Magic, avec Bird, ils ont sauvé la NBA. Et après, Jordan l'a amené dans une autre stratosphère, parce qu'après, c'était avec l'aide de l'Internet, il y avait tout ça qui sortait en même temps. Donc, ça a aidé à propulser la NBA où c'est aujourd'hui. Mais Magic, pour plein de différentes raisons, je le mets dans le top 5. Curry, il intégrera ce top 5 un jour ou pas? Moi, pour moi, il est dans mon top 10. Donc, non, ça ne bougera pas. Ton top 5, mon top 5, pour que ça bouge. Faut y aller. Parce qu'après, je prends en considération aussi ce que tu as fait pour le sport, promotion du basket. Quand tu vois Jordan, ce qu'il a fait, c'est dur. Après, il y a beaucoup de choses. Moi, si LeBron a une bague de plus, il ne grimpe pas. Si LeBron prend une bague de plus. Toi, il y a des gens,
ils sont Jordan et tu pourras jamais leur faire chier. Moi je suis pareil. Et LeBron James, il y a des gens, c'est comme ça. Ouais. J'ai, avec Matt Pokora, on en débat, mais tout le temps. Ouais, il m'envoie des textos toutes les semaines. Dès que LeBron il fait un truc, il fait « c'est bon là, c'est le gars, c'est le gars. » À 40 000, il va te spammer, mon pauvre. Tu sais que Matt, c'est super mec, hein, mais il a deux gros défauts. Kiff LeBron et supporter de l'Olympique de Marseille. C'est les deux gros défauts de Matt Pokora. C'est quoi ton top 5 à toi? Jordan 1, LeBron 2, Kobe 3, Magic 4 et Jabbar 5. D'accord, donc ouais, vous êtes dans le même 5. Curry juste derrière, je pense que Curry est en 6. Ah, tu mets Curry. Et donc, il lui manque quoi, là, Curry, pour intégrer le top 5? Il lui manque quoi? Une bague supplémentaire, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse. Mais s'il a cette bague, il ira dans le top 5. Il ne l'aura jamais. Enfin, avec le lancer, je pense qu'il pourra. Si, c'est bien déjà, quand même, non? Dans l'histoire de la NBA, il ne va pas chipoter, quand même. Après, on parle de Tipeee, il parle de terrain, mais il parle de ce qui englobe le terrain. Steph Curry a révolutionné la NBA, a changé. Si la NBA aujourd'hui, il y a une gabegie de tir à 3 points, c'est Steph Curry. Si quand tu vas voir des enfants s'entraîner de 10, 11, 12 ans et la première chose qu'ils font, c'est s'arrêter à 10 mètres et balancer des tirs à 3 points, c'est de sa faute. Hein. C'est clair. Et là, c'est négativement, hein, c'est de sa faute. Hein, parce que les gamins aujourd'hui, ils pensent qu'à envoyer des tirs à 10 mètres, donc c'est un calvaire pour les éducateurs et les coachs. Mais Steph Curry, l'influence qu'il a eue sur le jeu, c'est bravo. Ouais, il a influencé le basket d'aujourd'hui. Oui. Et c'est quand même impressionnant, quand même, le talent des joueurs aujourd'hui, la facilité qu'ils ont de shooter d'aussi loin, comme si c'était rien. C'est fou. C'est fou, hein, de shooter du milieu de terrain et ça, tu sais, c'est l'évolution du corps. Moi, je me rappelle, le milieu de terrain, il fallait balancer la balle. Oui. Là, maintenant, les gars, ils shootent vrai tir du milieu de terrain, tranquille, comme si c'était rien. Parce que la NBA, elle est loin déjà. Une fois, j'avais été faire avec l'équipe de France A' de Summer League à Dallas. Quand tu arrives dans le terrain d'entraînement des Mavs et on faisait l'exercice sortie de pique où tu devais shooter. Donc je prends l'écran, je me retrouve à 3 points, j'ai fait oh, wow. C'est loin gros, quand tu arrives de France. Quand tu arrives de France et que c'était 6 m25 oui. Et que tu avais l'habitude de 6 m25, bah 7 m25, déjà 1 mètre, ça fait énorme. Ouais. Et après, bon, maintenant c'est 6,75, si je ne me trompe pas maintenant. C'est 6,75 en France, donc c'est 7,23. Moins choquant. Le gap à l'époque, moins gros. Quand je jouais avec Steve, 6 m25, tu te prends 7 m25, ça fait une grosse différence. Tu changes ton shoot même. Hein, bien sûr. Tu déformes ton tir. Bien sûr. Alors que là, maintenant, il shoot à 10 mètres tranquille, propre, normal. Easy. Tony avait évoqué avec Marine le GOAT WNBA, toi. T'en penses quoi? GOAT WNBA, ouais. Je dirais Candace Parker. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi influence sur le jeu, Tomar. Parce qu'elle a mis des dunks, les titres, une des meilleures joueuses de Team USA aussi chez les filles. Domination physique, c'est une des premières joueuses qui m'ont fait kiffer le basket féminin, non, mais c'est une des premières joueuses qui se dit ah ouais, là c'est quand même très fort. Respect. Ouais. Après maintenant il y en a plein maintenant. Maintenant les filles qui mettent des crosses, les filles qui tirent à 3 points, à 10 mètres, ça y est, hein, une fille qui va péter un moulin maintenant en contre-attaque bientôt. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai pu tester et m'entraîner un petit peu en Australie au billard, les garçons. Je vais voir ça avec vous. Ça existe. Ouais, j'ai bien bossé. Bien sûr. Mais vous croyez qu'il n'y a qu'en Europe quand je joue au billard et USA ou quoi? Non, j'ai fait quelques bars. J'ai pu m'entraîner. Alors. Je croyais qu'on avait parlé, on ne parle pas du match de Boris qu'on voyait. Mais on peut parler de ce que vous voulez, si vous voulez. Moi, j'ai dit à Boris, je viens pour la finale. S'ils sont en finale, j'y vais. Ouais, dans l'arène, tout ça. Ouais. Je me suis dit qu'on devrait faire une spéciale squeak. On devrait faire un plateau genre pour rigoler. C'est le 1er juin, je suis dispo. J'ai dit, je bloque Boris, t'as intérêt d'aller en finale. On vient faire un plateau. J'ai dit en rigolant. Tu sais que je l'ai vu le match, hein. Ouf, ça ressemble à tout sauf du basket. Hein. Ouais, je sais. C'est une boucherie charcuterie. C'est une boucherie. Ah ouais. Il y a un panier toutes les 3 minutes. On devrait y aller. On devrait y aller. Franchement, on devrait y aller. Allez, pas mal. Allez, rentre. Allez, vas-y. Oh là là, du coup, toi, t'es les pleines. Ouais, pleines. Du coup. Pleines. Alors, petit Qu'est-ce thème. Qu'est-ce qu'on a au programme? Petit thème. Est-ce que le Paris Basketball peut remporter l'Eurocup? Remporter quoi? L'Eurocup? L'Eurocup.
Bon, déjà, il est chaud, en fait. Non, en fait, j'ai pas trop bossé en Australie. T'as joué au billard en Chine ou quoi? Il a fait la tournée. Est-ce qu'en Chine, t'as fait le jeu, là, tu sais, où ils dansent comme ça, là, tic, 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 non, les jeux vidéo, pas là. Fait, j'ai pas fait. T'as déjà vu des mecs maîtriser à 100% ce jeu, là, tu sais, le jeu où il y a des flèches et tu n'attendais pas de danse. J'ai jamais vu quelqu'un maîtriser, mais c'est marrant, franchement, c'est marrant. C'est fou. Le Paris Basketball. Bah ouais, le, est-ce que le Paris Basket après, peut gagner l'Eurocup? Après, on peut parler de danse et tout ça, mais comme vous voulez. Moi, je pense qu'ils ont, ils ont une chance. Hein. Je pense que Paris, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils sont vraiment bien, bien coachés. Et je pense qu'ils ont une chance. Après, Bourg aussi, ils sont pas mal. Bourg, mais les deux équipes sont premiers de leur groupe. Quand tu es premier de ton groupe, ça veut dire que tu vas avoir l'avantage du terrain. Quand tu as perdu. Parce que les Bourg, ils ont perdu un match sur 17. Donc si la réponse à ta question, c'est oui, ils peuvent gagner l'Eurocup. Alors attention, format très piégeux en Eurocup. Alors premier, tu vas directement en quart de finale. Sauf que tu joues chez toi sur une manche sèche. C'est-à-dire qu'il y a un match. Donc si t'es pas bon ce soir-là, tu te fais attraper. Il y a deux ans, le Partizan et Badalone, ils avaient roulé sur la saison régulière. Un match chez eux, ils se sont fait attraper. Fin de saison, merci, au revoir. Donc attention à ce format-là ou sur un match. Ce format-là, il est très piégeux. Mais oui, il peut gagner. Et donc, l'accession à l'Euroleague. C'est tout l'intérêt de remporter cette Eurocup. Vous les voyez y aller. Allez, c'est bon, il est chaud. Ok, je vous ai chauffé en fait en vous disant que j'avais bossé en Australie. Ah non, bah on sort notre meilleur game. Là. Tu nous as dit que c'est un match de Steph. Donc, ouais, l'Euroleague. Bah, s'il gagne l'Eurocup, c'est l'Euroleague. Bah, exactement, c'est tout l'enjeu pour eux de l'emporter. Oh, bah alors. Ouais. Oh. On appelle ça un coup petit slip. Grave. Alors, l'Euroleague. Bah, ça les ferait rentrer dans une autre dimension. Hein. De toute façon, s'ils arrivent à gagner l'Eurocup, ce serait une belle première étape pour eux. Et donc, c'est un gros enjeu. Hein. Et ils en sont capables. Moi, je pense que les deux équipes, ils ont du potentiel. Et s'ils ne remportent pas l'Eurocup, vous les voyez se faire inviter, vous les voyez... Enfin, c'est très... On rappelle, hein, c'est une équipe très jeune. Vous les voyez dans le futur pouvoir intégrer l'Euroleague? Wildcard, je ne sais pas. Ce monsieur-là est mieux passé pour parler des wildcards. Mais après, ils ont une nouvelle salle qui arrive, la Adidas Arena, qui est une salle magnifique. Moi, bien que la LDL, c'est Arena, t'inquiète. Mais ils ont la structure. Paris, on sait que l'Euroleague est intéressé par les grandes villes. Donc, à moyen terme, pourquoi pas avoir une wildcard. Mais s'ils ne gagnent pas l'Eurocup, je ne les vois pas en Euroleague l'année prochaine. L'année prochaine, s'ils ne gagnent pas l'Eurocup. Sachant que Dubaï m'a l'air un peu plus avancé que Paris Basketball. Mais ça, il faut demander au principal intéressé aussi. Non, à l'avenir, c'est clair que Paris, ils ont un gros potentiel. Parce que t'as une nouvelle Arena. T'as pas touché de boule, là. Regarde un peu. Oh, it's coming. Ah, oh, non. Le gars a rien touché, je tiens à signer. Il a fait le tour de la table, mais il n'a touché aucune boule. Il a rien touché. Énorme. Mais non, moi, je pense que Paris, à l'avenir, ils ont tout pour réussir, ça, c'est sûr. Oh, ok, d'accord. Tu l'as énervé. Ils visent même le titre, peut-être, de champion de France, hein, Paris Basketball. Ouais. Mais... Est-ce que vous les voyez faire les deux? Est-ce qu'ils ont l'effectif Ils ont 13 joueurs. Taillés pour les deux. Ils ont 13 joueurs. En plus, la façon de Thomas Isalo de coacher, il a une gestion de l'effectif qui est propre. Moi, j'ai aucun souci là-dessus pour jouer sur les deux tableaux Eurocup. Je suis d'accord. Championnat. Je suis d'accord. Championnat. Non, ça. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Non. Paris, c'est une bonne équipe. Et puis en plus, ils n'ont pas une équipe vieillissante. Non. Ils n'ont que des gamins entre 20 et 27 ans. Oh là là, nice. Là c'est exceptionnel ce que je viens de faire. Très ça, beau. Après ça avoir rien touché, il fallait un coup comme ça pour faire un gros comeback. Hein. Le mec, c'est parce que tout tu nous rien. As fait un gros airball. Et c'est très dur de faire un airball au billard. Ouais, bah, belle perf, Stephen. Paris, Londres ou Dubaï, qui vous voyez en premier? Paris, Londres ou Dubaï? Ouais. Ah, Tony, allez. C'était quoi, ça? C'est stratégique. C'est un coup stratégique, c'est un coup de défense. Cœur, c'est de la défense. Il nous a soufflé. C'est de la défense. C'est une question dure à répondre parce que, comme vous le savez, hein, je suis dans les discussions, tout ça. Mais je pense que les Non, c'est pas... Les... Tu sais, toi. On a entendu parler, quoi. Les trois, ils auront une chance. Après... Qui sera en premier? Franchement, ça, je ne sais pas. Mais le projet Dubaï, là. Oui.
Très bien. Il faut changer le nom de la compétition. Non, mais parce que le rugby, quand ils ont accueilli les équipes sud-africaines, ils ont changé le nom de la compétition. Ça s'appelle Champions Cup maintenant. Il n'y a plus d'Euro ou de Coupe d'Europe. Tu es obligé de changer le nom de la compétition. Ensuite, je sais pas quoi. C'est quand même, c'est particulier. De toute façon, pour l'instant, c'est tellement au stade des discussions que pour l'instant, il n'y a rien de figé. De toute façon. Belle. Thank you. Hey, last one. Gay show. Oh non, Steph. Ooh. Après, Dubaï, ils ont une salle. La Pepsi, je crois, Arena, ou Coca-Cola Arena, ou un truc gazeux Arena. Ouais, un truc gazeux. Non. Il va te la mettre dedans, regarde, hop, là, t'es pas mal. Non, est-ce que pour toi, il faut fermer complètement l'Euroleague? Fermer l'Euroleague? Non, mais là, je ne fais que poser des questions. Moi, j'ai toujours dit que c'était mon délire, les ligues fermées. Donc, donc moi, je suis pour, comme quand t'es la Super League de foot, là, moi, ça m'intéressait. Maintenant, qui dit ligue fermée, qu'est-ce qu'on fait des championnats domestiques aussi? Exactement. À un moment donné, il va y avoir un confinement de programmation, de... C'est compliqué. Nombre de matchs. C'est compliqué. Ou alors, il faut que... Il y a certains championnats où les équipes qui jouent l'Euroleague rentrent dans le championnat domestique un peu plus tard. Ouais, mais ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, non, je sais. Mais je trouve ça bizarre. Contre, elle, elle y a plus la boule blanche, elle est par contre, à droite. Ah oui, j'allais dire, mais il en a mis une, mais il n'a pas mis la bonne, en fait. Pourquoi il n'enchaîne pas? Mais la vraie question, c'est, est-ce que l'ASVEL sera championne de France? On verra, on progresse, là. On est sur une bonne vague, là. Nando, il revient quand? Pas tout de suite. Mais bon, ça va, vous n'avez pas encore terminé, du coup, moi je vais terminer avec vous par un d'accord, pas d'accord. Je vais vous donner des affirmations. Sur le basket aussi. Et vous avez déjà évoqué tout à l'heure le comeback. Getting there. Allez, d'accord, pas d'accord, les Warriors n'iront pas au play-in. Bon, vous avez répondu tout à l'heure. Non. Non, pas d'accord. Non, si. Ils ne vont pas faire les play-in. Non, ils ne vont pas faire les play-in. Moi, je pense qu'ils vont les faire. Tout à l'heure. Tu penses qu'ils vont les faire? Oui, je pense qu'ils vont... Changement de veste? Je pense que non. Je pense qu'ils vont... J'ai dit qu'ils allaient trader. T'as dit ils que c'était bon. Je pense qu'ils vont trader les gens. C'était non et non. Après, je te dis pas qu'ils vont être champions NBA, mais je pense qu'ils vont faire les play-in. Ils vont accueillir quelques bons joueurs. Bon, deuxième affirmation. Lillard mérite sa place de titulaire au All-Star Game. Lillard mérite sa place de titulaire, pour moi, oui. Oui. Avec les Bucks, ils sont deuxième de la conférence. De toute façon, c'est toujours des questions, ça, je trouve que franchement... Tu n'aimes pas mes questions, Toby? Non, c'est pas toi. Mais quand les gens, ils se demandent « Oh, est-ce qu'ils méritent pas ?» Enfin, à un moment donné, il y a cinq joueurs, il y a forcément des mecs qui restent sur le carreau, déjà. Ils sont deuxième à l'Est. Non, mais franchement, moi, pour moi, c'est un manque de respect pour le joueur quand, tu sais, Damien Lillard, c'est un joueur confirmé. Rien de se poser la question pour toi, déjà. Ouais. All-Star. En fait, le débat, c'était pourquoi Brunson n'y est pas. Parce oui, non, mais ça, je sais. Mais Damien Lillard, tu peux pas dire qu'il mérite pas de... Une belle saison, alors... Il s'ajuste à une équipe où Yanis a le contrôle du... Airball. Oh. J'ai voulu faire un truc stratégique, mais ça n'a pas très marché. Ces chiffres sont bons. Vous êtes quand même capable du pire comme du meilleur sur cette partie. Hein, les chiffres de Lillard, ils sont bons, son équipe, elle gagne. Allez, c'est terminé, à bientôt. Moi, pour moi, Lillard, il mérite. Wemby gagnera le Skills Challenge All-Star Game. Peut-être. Game over. Il a une demi-seconde, il a fait. Ouais, c'est chiant, t'as loupé. Moi aussi, j'ai cru que t'allais pas le faire. Wemby, le concours de Müller, tu l'as gagné, le concours de Müller, toi? Ouais, je l'ai gagné. Ouais, tu l'as gagné? En 2012, ouais. Concours de Müller, Wemby, non, je crois pas, non. 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 Et toi, Tony, t'as pas répondu? Ouais, il peut peut-être créer la surprise, hein. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça m'étonnerait pas, en tout cas, s'il le gagne. Si LeBron dépasse les 40 000 points, est-ce que le débat du GOAT sera entièrement relancé, messieurs? Ok, on a la réponse. Alors? Non. Pour moi, non. 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 Ça bougera jamais. Mais je vais être très honnête. Mais je vais ça très ne honnête bougera jamais. Et avec toi, LeBron peut faire tout ce qu'il veut. Exactement. Dans le monde. Il peut gagner Roland Garros même. Il ne bougera pas. Matt, ce sera Jordan numéro 1. Voilà. Matt, si tu nous entends. C'est mort. Je suis d'accord avec Stephen. Ouais, par ça contre, bougera jamais. Par contre, si jamais un jour il a invité du Squish Show avec Tony Parker, peut-être que peut-être je dirais qu'éventuellement, il n'est pas loin, même devant Jordan. Ok, Jason Kidd. Enfin, LeBron James, justement, ne finira pas sa carrière aux Lakers. D'accord ou pas d'accord avec cette affirmation? Moi, je serais étonné s'il ne finit pas aux Lakers. Je serais vraiment étonné.
Parce qu'on voit tout le temps les rumeurs qu'il va rejoindre son fils là où il sera drafté. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que là, il est bien avec sa famille, il a tous ses business maintenant, il a tous ses trucs avec... Ouais, mais justement, en faisant ça, rejoindre son fils, bah justement, il ferait un truc complètement différent. Est-ce que ça, ça pourrait le faire Mais genre, son fils est drafté par Memphis ou je sais pas, enfin, je le vois pas quitter Son fils est drafté par Détroit. Elle est content, elle aimerait d'aller à Détroit. Je le vois pas. Jouer contre son fils, c'est magnifique déjà. Bah ouais, c'est déjà incroyable. Je sais même pas, c'est jamais arrivé en NBA. Un père qui joue avec son fils ? Non, un père qui joue avec son fils ou contre son fils. Je crois que c'est jamais arrivé. Il a plus que ça à faire pour essayer d'être avec Michael Jordan. Doc Rivers a coaché son fils. Mais je pense pas que c'est arrivé. Ça serait une première chance. Et malgré tout, MJ, on top. Bah oui, numéro 1. Numéro 1. Bon, on arrive à la fin. Et je vais quand même essayer. Parce que ce serait quand même marrant, Stephen. Je vais quand même essayer d'inviter Jason Kidd. Ah oui. Qu'il vienne. Faut pas qu'il regarde l'émission avant de venir. Peut-être pendant les JO, il sera là pendant les JO. Peut-être. Il y aura du monde pendant les JO. Bon, c'est la fin du Squeak Show by Tony Parker. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 18h. Ciao.